La communauté, bonjour. Alors, j'en connais quelques-uns qui vont se dire, mais je connais pas ce jeune visage. Je m'appelle Nicolas Garcin, j'ai 27 ans, donc je suis un enfant du Luberon, pour ceux qui me connaissent, et fondateur donc, de Cocktrotter. Alors, c'est une start-up un peu ambitieuse, vous verrez, qui veut remettre l'office de tourisme au cœur de tout, hein, au centre de l'équation. Alors, pourquoi me direz-vous? Tout simplement parce que votre travail quotidien réalisé sur Happy Day, il est très précieux et il mérite d'être accessible à tous. Alors, oui, ça nous dérange que la jeune génération notamment et que la clientèle en hébergement n'ait pas ce réflexe office de tourisme hein, et se rabattent du coup par défaut sur les GAFA. Donc notre démarche, elle est toute simple, hein, c'est ancrer tout un ensemble d'outils qui capitalisent sur Happy Day hein, pour capter l'ensemble des touristes de la destination. C'est un petit peu l'office dans la poche de chaque visiteur, hein, donc maintenant c'est possible. Et donc notre approche, elle est vraiment centrée sur l'innovation, le partage. Tous nos développements permettent de mettre en lumière et d'utiliser de nombreuses fonctionnalités connues et méconnues d'Happy Day, hein, donc pour faciliter la vie de tous justement. On glane aussi de précieuses données sur des milliers de sociopros que nous faisons directement profiter à Happy Day pour enrichir constamment les données de l'écosystème. On est vraiment dans cette logique-là. Et donc, bon, notre forte proximité, je pense que vous l'avez compris avec Happy Day et l'utilisation de tous ces services, ben, j'ai décidé de me présenter et de représenter les fournisseurs de services. Hein. Je mettrai vraiment toute mon énergie pour participer, en tout cas, à faire évoluer Happy Day. Alors, autour d'idées innovantes qui répondent aux besoins de tous et aussi aux enjeux de demain, c'est important. En faire un outil qui soit parfaitement utilisé par toutes les parties prenantes, donc les institutionnels, les socioprofessionnels, mais aussi les fournisseurs de services. Tout ça bah, dans le but de créer un écosystème à même de garantir des données à haute valeur ajoutée, hein, que ce sont la quantité, la qualité, mais aussi la diversité de ces données. Bon, j'espère vraiment avoir tout donné, vous avoir donné envie aussi. Et n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'infos sur nos motivations. À très bientôt.